Et salut les gars, c'est Bast et je suis de retour pour vous présenter la grenade Storm Apocalypse de chez AEG et son support en fixation molle sur mesure pour cette grenade. Allez, c'est parti, let's go! Et on se retrouve pour l'ouverture de la boîte de la grenade Storm Apocalypse AEG. Dans cette boîte, on retrouve la grenade Storm. Un manuel d'utilisation. Et une notice pour l'entretien de la valve de la grenade. Concernant le poids de cette grenade, elle pèse 185 grammes et mesure environ 10 cm sur 4 cm avec un diamètre d'environ 16,5. La grenade possède plusieurs marquages, Storm, Apocalypse, la valve de remplissage pour le gaz, le trou d'éjection pour les billes, le levier de sécurité. Pour charger la grenade, c'est très simple, vous passez le levier de sécurité sur ON. Vous avez besoin d'un bébé loader 90 billes. Le constructeur annonce une capacité de 155 billes, mais après test, selon moi, c'est trop. Un bébé loader suffit largement. Vous introduisez vos billes dans le trou d'éjection. Vous repassez en off. Et comme vous pouvez voir, il va y avoir un petit bitonio qui va descendre exprès pour retenir vos billes. Comme ça, si vous courez sur le terrain, les billes ne s'échappent pas du trou. Une fois que la grenade est en position off, vous allez introduire une bouteille de gaz dans la valve de remplissage et vous allez environ attendre 10 secondes. Pour l'entretien de la grenade, il suffit de vaporiser un peu de l'huile siliconée dans la valve de remplissage du gaz. Voilà. Le gros avantage de cette grenade, c'est sa petite taille, ainsi que l'absence de goupilles. En partie, vous pouvez directement amorcer la grenade pour la jeter. Si jamais vous voulez plus la jeter, vous pouvez directement repasser en off et ranger la grenade. Ça, c'est un gros avantage. Le petit défaut de la grenade, c'est l'absence de couleur sur le bouton off et on pour un confort visuel lors de l'utilisation de la grenade. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser deux poches K. Je vais faire un point blanc au niveau du off et au niveau de la flèche. Un point rouge au niveau du on. Comme ça, je peux voir directement visuellement si elle est en off ou si elle est en on. Concernant le support pour cette grenade, c'est un support en 3D étudié pour la grenade Storm Apocalypse. Donc 100% compatible. À l'intérieur du support, il y a un léger jeu mais très minime. Sinon, elle bouge pas du tout. Elle tient très bien dans son support. Je vais fixer le support dans ma ceinture en passant molle.
Vous insérez la vis dans son emplacement. Et voilà le résultat. Vous pouvez adapter ce support sur n'importe quel type de système passant molle. Moi, j'ai décidé de la mettre sur la ceinture car c'est très pratique d'utilisation. Si vous souhaitez utiliser la grenade, vous la déclipsez, vous la jetez, vous la ramassez, vous la remettez. C'est hyper pratique et hyper rapide. Allez, passons tout de suite au test de cette grenade. Voilà les gars, cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Si vous avez une question sur les produits, vous pouvez les poser directement dans l'espace commentaire en bas de la vidéo. Je remercie grandement le magasin Phoenix Airsoft qui, grâce à eux, j'ai pu faire la review de cette grenade. Elle est disponible sur leur site internet www.phoenixairsoft.com au prix de 69,99€. Les supports pour cette grenade sont également disponibles à 25€ sur leur site internet. Vous pouvez personnaliser la couleur pour le support. Vous pouvez choisir par exemple bleu, vert, rouge, n'importe quelle couleur. Il suffit juste de les appeler pour leur demander si elles sont disponibles. Sur ce les gars, je vous dis à plus sur les terrains. Ciao !